Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pixark dans laquelle nous avons eu un petit souci avec un dino. Vous allez voir de toute manière, mais sachez que ce dino-là, vu qu'on a un petit peu d'avance au niveau du tournage, je peux déjà vous dire que là, c'est que le commencement. C'est-à-dire qu'il va nous troll pendant longtemps encore sur cette série. Et c'est très marrant, mais j'avoue qu'il nous aura bien saoulés par moments. Mais c'est vraiment très marrant, surtout le genre de situation dans lesquelles il se met à chaque fois. C'est-à-dire qu'il se met vraiment dans des positions ou des endroits où on se dit, mais comment il fait pour entrer là-dedans, vu la taille du dino? Bref, vous allez voir, c'est franchement marrant. Allez, je vous laisse avec les images. Ça se discute. Ah mais t'es plus vite accroupi quoi. On peut faire des portes, non? Bah soit on fait des portes, ouais, soit on met carrément un trou, hein. La plupart des dinos chiants ne passeront pas de cette manière. Hein. On fait Ah un mais trou de chaque Lucky côté et voilà. va te chercher une autre pioche. Alors, si tu veux m'arrêter dans la tribu ou pas? Ouais. Ouais. Ah mais attends, mais Un là autre t'as celui-là. été beaucoup plus loin que moi par contre. On est tellement pas coordonnés niveau mur. Bah j'ai mis jusqu'à la faille. Et nous, tu fais comment pour Oui, monter correctement? bah. Il y aura un chemin Ouais, jusqu'à la faille alors. Tiens, Noctas. Ce sera un passage, t'inquiète, c'est cool. C'était pour prendre plus de place. Ouais, j'ai pris plus de place, regarde. C'est bien. C'est bien, mince. C'est chiant à faire d'en bas par contre. Ah, j'en ai plus. Attends, je vais remonter. Ah, j'ai trouvé du copper. Pas tant que ça. Bah voilà, on est bien là. C'est joli tout ça. Du coup, Noctas, on t'a invité ou pas? C'est bon, ouais, c'est bon. Fait. Et du coup, voilà, là on fait un petit trou par-ci par-là, tu vois. Genre là, hop, hop, on fait une ouverture, tu vois, à taille d'un joueur. Mais la plupart des dinos passeront pas là. Quitte à faire, voilà, des petites fenêtres par-ci par-là, un petit trou pour voir. Puis c'est bon, hein. Ouais, vas-y, Lucky, on peut boucher l'eau. Là, ça mène direct sur sa mine, du coup, faudra mettre l'échelle ici. Ah, c'est notre raptor, ça j'ai eu très peur. Là on fait un passage et là du coup il y aura la maison, c'est la maison qui bouchera quoi. Enfin l'enclos, je sais pas ce que ça sera ici quoi. Ok, déjà on est mieux. Déjà on est mieux les gars. Et du coup quel level suis-je? Le plafond s'est effondré. 23 et du coup t'as pu faire la table, ouais, ici. Workbench. Et il y a les outils en copper, magnifique. On va balancer 100 stone. Ouais, si vous avez du copper, mettez à fond, là. Ah, c'est stylé déjà en copper, les trucs. Pourquoi t'as bouché l'eau? On aurait pu avoir de l'eau sans sortir de la base. Bah, tu fais juste. Tu ramènes un coup de Ah, ouais, deux coups pour les rocs, là. Ah, ouais. Oui, ça va vite. Du coup, quand tu veux te faire des chemins, faut faire attention. Mais ça, pareil, on peut le farmer, ça. Donc, maintenant. Attends, là. Le sulfure, c'est. C'est le sulfure. Ouais. Ça, c'est cool. Hop, je voudrais aller voir sur un arbre aussi. On va prendre le petit rat pour voir. Bon, ça va, ça fait pas moche, hein, même si c'est en dirt. Ça passe. Et au moins, on est déjà un peu plus safe. Et du coup, je vais pouvoir sortir Thunder. Voyons voir du coup le bois. Ça a l'air d'aller. Ça casse assez vite, ouais. Tu fermes encore du rock, Mino à... Tu fermes autant, mais ça casse oui, vite. J'en ai plein. Les gars, on peut replanter les arbres sur le jeu. Oui, si tu arrives en avoir avec. J'ai 3 graines derrière toi. Si tu peux m'envoyer des. J'ai des graines de des trucs de jungle en plus, ça peut être stylé. Ah, j'ai trop du. Genre là, on peut en planter juste devant, par exemple. Bon, ça marche. Faire un truc spécifique ou genre faut un outil, une bêche ou quoi? Can be planted in soil cube. Be sure to give it enough water. Ok, faut de l'eau. Faut de l'eau et faut le mettre sur du. Ok, je pense que ça marche là. Oh! Regardez la petite pousse devant! Ah oh, bah voilà! On met des petites pousses par-ci par-là. On va avoir une jungle chez nous les gars, ça va être cool. J'ai plus d'oxygène. Un gros stage. Ah oui, il y a tout de marqué.
Elle va rendre déshydratée, elle va bientôt mourir. Mais il pleut. Attends, mais en fait, ça veut dire qu'il faut... un arrosoir. Faut vraiment que je lui amène de l'eau ou y a un arrosoir? Vraiment? Je sais pas, moi. Ça se trouve, hein, je sais pas. Ah, elle a disparu. Faut juste pousser l'eau peut-être dessus. Ça a disparu. Va chercher une gourde. Quoi? Elle est déjà morte? Non, reviens, attends, arrête. Vite, vite, vite. Pourquoi STP? Non, elle est déjà morte. Il y a un raptor dans ma mine. Ah, ça c'est triste. Bon bah, c'est bien nul, hein. Donc la mine. Ça disparaît de suite. Normalement, je peux continuer, j'étais sous le bon tour. Alors. C'est quoi ça? Bonne. Il y a des os? Oui. Je sais pas sur quoi c'était. Là, quand tu perds ton stuff, c'est relou. Pourquoi il y a de... Ok, il y a de l'eau jusque là. Hop, on va débloquer. Et ça, ça se craft. Workbench. On va tomber dans la carrière à Mino, on va se casser une jambe. La workbench, c'est en primitif. Je suis en train de mettre des blocs pour l'instant. Ah ouais. C'était niveau 23, ok. Mais oui, là, concrètement, il faut faire quelque chose, quoi. Pourquoi? Bah, y a un trou qui débouche dans ma carrière, là. Un trou? Au mur, là. En face de moi. Là. Mais on mettra l'échelle au pire de là, et comme ça... Mais c'est pas gênant. Quelqu'un peut venir se débarrasser de ce raptor qui... Oui, mais ce trou, c'est fait exprès. On peut mettre une échelle, là, Milo. C'est pour l'échelle, ça. Ouais, je vais juste creuser un peu plus, parce que sinon, on atterrit sur le mur. Voilà. Ouais, voilà. Bah là, on mettra une échelle. Attends. On va te farmer du bois un peu, je vais te faire... Bah, j'en ai récupéré celle-là, là. Mais attends, et ta carrière, tu l'as pas complètement bouchée, là? Non, je peux pas. C'est bon, pourquoi je gère. Touch. C'est quoi, c'est ouais, de la terre touch. Bouché. Attends, je te fais des échelles. Ça devrait suffire. Bon, c'est... Bon bah moi je t'ai rattrapé. Merci Milo. Oh, c'est quoi comme échelle ça? C'est pas la même. Ah oui non, lui il l'a fait en corde, moi je l'ai fait en bois. D'accord. Parce que moi j'ai les moyens. On fait ça bien ici. Mais par contre je vais creuser encore, donc faudrait que j'en ai encore plus, quoi. Mais au pire on va te faire un coffre là, je te mets des échelles là en rab. Ouais. Je te mets un coffre à côté là. Ah ouais. Et je vais t'en faire. C'est pas gênant, ça coûte que dalle, mec. Je t'en fais une quinzaine de plus, déjà. Va t'en faire en fer. Non, pas en fer, ça sert à rien pour l'instant. Hop, c'est bon. D'ailleurs, le coffre, je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas grave. On aurait pu se mettre à l'endroit de base, quand même. Tiens, je te mets 16 échelles dedans. Voilà, comme ça, déjà, tu te mets bien. Tes petites carrières, là. Il est trop mignon. Ah, il chante ça. Ouais, j'avoue que c'est pas bête, en vrai, de faire... Regarde ce que j'ai fait. Ouais, c'est pas bête de faire des lignes justement sur notre niveau, enfin sur plusieurs niveaux, je pense. Ah, moi c'est une ligne, hein, sauf que c'est une ligne qui va aller vers le bas. Ouais, non, mais c'est... il faut aller vers le bas, mais il faut faire des lignes à différents étages aussi, quoi. Ça, c'est pour plus tard. Ouais, mais Chanta a commencé là, c'est pas bête, comme ça on aura peut-être du copper aussi, tu vois. Normalement, je me dirige, je suis pas en direction d'une faille. Ouais, j'ai trouvé du copper un tout petit peu. Ouais. Faudra mettre des torches. Du souffle. Tu vois, j'ai 18 copper sur moi. Nice. Ça fera des outils pour ceux qui en ont pas encore. Moi j'en ai pas encore un copper. Bah je vais remonter. Allez, on te laisse gérer ça. Tu touches ici. Bah, je le pose dans le coffre de la mine. Le soufre aussi. Ouais, après il y a des gens qui vont faire des allers-retours pour récupérer ce qu'il faut. Je vais souffrir le copper, comme ça je vais le faire fondre. Là je pourrais peut-être me faire mes outils. Non, là il y a l'autre qui va me cracher dessus, elle est chiante. Ouais, non, j'ai plus. C'est quoi ça? Il y a de l'orage, non? Ouais, il y a de l'orage. Il y a des éclairs partout, c'est risqué ou?
quelqu'un peut vider un petit peu notre coffre là. Je vais peut-être pas aller trop loin en fait de la maison avec ça. Ah, j'ai pris le copper qu'il a épousé. Ah, il faut vider un peu le reste aussi. Ah, relou. Il vise bien en plus. Ah oui, ça a mis feu à un arbre, je crois. Ouais, après ça donne du charbon. De bois. J'ai lancé une paire d'outils pour quelqu'un, elle est dans la workbench. Ah, et s'il en faut, dites. Je vais t'en prendre, merci. Moi j'ai des scorpions et tout, c'est chaud de farmer là. Faudrait que je fasse un petit peu les loot aussi. J'ai plus les levels des trucs par contre. Vert c'est 25. Et... tiens, un octage, je viens. Blanc ouais, c'est 0. Du coup, vert on va pouvoir aller chercher, je suis 24 là. Je suis 25, on peut faire les verts déjà. On peut. Je te donne mes anciens. Ah, pire, j'en avais fait. Ah, ok. Si, merci quand même. Ouais, de rien. Je crois que tu fais des trucs et le mec est pas content. Tu peux pas augmenter la speed au niveau, tiens. C'est comme sur là. Mais même le perso, tu peux pas. La speed du Ptera, tu veux dire? Ouais. Mais je crois que tu peux. Mais même à nous, tu peux pas. Ouais, il me semble. Bah ça, tu vois, c'est pas plus mal par contre. Il y a tout le monde à la même vitesse, quoi. Ouais, moi, ça, je suis plutôt pour. Clairement. Comment on fait pour courir plus vite que ses alliés? Oui mais bon, pour avoir des speedy en PVP et tout, ça c'était le truc insupportable. Alors, standing torch, je peux en faire 5. J'avoue que j'aurais pu changer d'armure aussi, je vois que les gens ils ont des belles armures. Ouais, elle est bien cette armure. Hop, ça va, on peut encore sauter. Je vais te mettre peut-être un peu de torche sur ta route, Chanta, si tu continues là-bas. J'ai trouvé un filon de cuivre qui ne s'arrête jamais. Hein. C'est vrai? Ah ouais, c'est la fouille. Ça fait deuxième fois que je suis full. Tant mieux. Ah mais c'est vrai qu'il faut leur mettre des trucs dedans. Et du coup, je t'ai mis un deuxième raptor. Ça marche le touch? Celui qui était dans ton truc? Ouais. Mais par contre, évitez d'avoir un outil en copper quand il y a de l'orage. Ah, c'est ça le truc électrique que je voyais sur mon outil? Oui, c'est conducteur, j'ai l'impression. Moi ça va, là où j'étais, je skippais pas grand chose. Ouais, pour moi ça va, il m'est rien arrivé. Mais j'avoue que je voyais un petit truc électrique sur mon. Sur mon outil, je me posais un peu la question, je t'avouerai. Je pense que c'est conducteur après. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas. On peut pas construire ici? Pourquoi? C'est quoi? C'est de la stun pourtant. Alors je peux plus te mettre de torche, je l'ai looté Chanta. Je t'en ai mis jusqu'à pas très loin mais. Non mais c'est pas grave, je vais faire comme les vrais mineurs, je me mettrai un casque avec une lampe. Et j'avoue qu'il y a le casque au pire là sur le jeu. Bah j'avoue que ça aura un réel intérêt au moins là-dedans. Ouais. Bon, on a un petit chemin déjà pour le passage mais. Ouais non mais c'est bien, après moi je le commence à le connaître le chemin. Alors oui, on va débloquer un petit peu les habits. Ouais, du bois. Plus grand chose en alors le problème lizard. C'est qu'on a pas beaucoup de bois, il faudrait qu'on aille chercher Rebirth qui arrive. Ok. Ouais, j'ai vu que c'était connecté. Le casque de mineur c'est dans métallurgie ou non? C'est en primitif aussi? C'est dans quoi? C'est dans quoi le casque de mineur? Tu l'avais non Mino? Je viens de voir un arbre qui a tapé Au début. Je viens de voir un éclair qui a tapé un arbre, il est en feu maintenant. Yes. Et après ça devient du charbon de bois. Oui. Que je disais tout à l'heure, ouais. Je le vois pas, ça s'appelle comment le casque? Attends, je vais dire tout de suite. C'est dans le... C'est le candle helmet ou quoi? Ouais, candle helmet. Ah oui, c'est pour ça, c'est vraiment... C'est la bougie quoi, c'est pas encore... Par contre, c'est bugué les stats où il donne 120 d'armure? Ah les gammas par contre, voilà. Parce que si y a un casque de mineur qui donne 120 d'armure, c'est pas mal. En même temps, s'il faut résister à un effondrement. Alors ça coûte... Kitine.
Ah, il faut avoir déjà un casque, fiber et liseur. C'est quoi les robots là déjà qui tournent avec une lumière bleue bizarre là? Je vais tester ça, c'est les quêtes. Ah c'est okay. Ça. Je vais pas la prendre. Ouais, ça va déjà mieux là sans les gammas, c'est plus propre. Des fois j'oublie de les enlever quand il refait jour et j'avoue que c'est... On passe par c'est où très pour moche. Les animaux c'est très très fade. Tu mets en normal. Ah, tu fais juste gamma, ça les remet en normal. C'est bien les torches là. Et j'avoue que sinon c'est très fade, ouais. Et quand tu le remets en normal t'es en mode oh ça reprend des belles couleurs. Mais sinon la nuit tu vois tellement que dalle que t'es obligé. T'es obligé. Oh, tu mets des torches le casque et tout là. De quoi pardon? Casque de mineur et tout, je sais pas où tu craves sur toi. Je sais pas, ça doit être marqué, faut vérifier. Alors, pour ma police, il me semble que oui. Je vais te dire. Bah oui, de toute façon, je crois que je l'avais vu parce que j'ai vu le craft dessus, donc oui, c'est sur toi. Mais fait par la recherche. Okay. J'ai pas pris la chitine. Ah non, j'ai pris des os, mince. Donc il faut. Ok, et fiber. Ah bon, j'ai pas ce qu'il faut par contre. Mais attends, on doit avoir ce qu'il faut. On a ce qu'il faut normalement. Ok. Ah c'est un truc du mortier, c'était pas un casque? J'avais marqué, j'avais vu hat ou je sais pas quoi, j'ai cru que c'était un chapeau. Non, dans le mortier il nous faut de la poudre de... Ah d'accord. Ouais, c'est vrai que ça ressemblait à la poudre mais quand j'ai vu marqué hat... La poudre de chitine il faut. Après c'est le hat, je sais pas ce que c'est. Claude... Ah close hat, il faut un casque de... Ah mais c'est de la poudre de chitine. Oui, c'est de la poudre de chitine. C'est ça la poudre alors? Attends. J'en ai de la chitine. Ah mais de la poudre. Tu le mets dans le mortier. Tu le mets dans le mortier et tu lances un craft. D'accord, oui non d'accord. Oui donc c'est bien le chapeau par contre plus hâte. Ok, non j'avais pas dit ça. Ok ok. Par contre j'ai juste dans le... Fais gaffe où tu sautes parce que bientôt il y aura un gros tout là. T'as essayé de sauter quoi. Ah ouais c'est De toute façon je vais en relancer mec. 80. Ça fait peut-être beaucoup. Oh tu me diras j'ai pas tout pris Ah si j'ai tout pris peut-être, attends. On va mettre 40. Ah, je vais pas inviter Robert. Qui m'a invité Robert? Parce qu'il a pas le. Il a pas le. T'as pas les droits, c'est tout. Faut qu'on te les mette ou qu'on doit te l'inviter, c'est pas grave. Il est où, Tali? Il est dans la maison là. J'arrive. Quand je vais sortir du trou, tout mais aura changé. Ouais, putain, mais... Et le chapeau. Si j'enlève mon chapeau, c'est sûr, voilà, close that. Devant toi, Rivers. Ah, mais il était à l'intérieur, pardon. Ah ouais j'avais pas vu que t'étais à l'intérieur. Ah d'accord, bah en fait on pouvait l'inviter. Il y avait juste Noctas vu qu'il venait juste d'arriver que j'avais pas encore mis. Quoi t'as un casque de mineur Cronier? Moi ouais. Je l'ai ça y est là. Oh. Oui et tu peux m'en faire un, non? J'ai plus lire sur sport. Ouais, et tiens je t'ai pris ça pour toi. On doit pouvoir en vrai. Attends je vais juste aller voir dans la mine ce que ça donne. J'ai pas sur moi, tiens. C'est des torches muraux. Attends je vais aller là où il y a... J'avoue, salle au mur, peut-être ça passerait, parce que moi j'ai mis salle au sol. Ouais, j'en ai fait deux pour l'instant. Ah, n'empêche que le casque c'est nickel, hein, pour miner, t'y vois super bien. C'est parfait, mec. En vrai, j'aurais même plus besoin de toucher les gammas grâce à ça, je pense, même pour la journée, même pour la nuit dehors, je pense. Du coup, c'est cool, ça m'évitera de l'oublier après. Yes, c'est cool. Par contre, j'entends des chauves-souris pas loin, j'ai l'impression. Alors. Je peux pas poser la torche murale. Murale non plus. Ok, je sais pas pourquoi on peut pas. Hein. C'est peut-être la. C'est peut-être un donjon qui est proche aussi. C'est peut-être ça le bruit qu'on entend alors. C'est normal le tremblement de terre. Ouais, t'inquiète. Ce que je fais, c'est que je jette ma torche par terre. À côté de moi. Ouais, non, en tout cas, c'est parfait. Hein. Ouais, par contre, ouais, c'est ça que j'ai jeté là. Bah, après, attends, il y avait un. Ah, tiens, c'est bien d'y voir, tu vois, on voit les filons qu'on avait oubliés comme ça. Il y avait un filon de copper juste là. Ouais. Je vais aller voir pour t'en faire un hein, si tu veux, chanter. Ah ouais, cool le filon. Et ouais, c'est vrai que tu vois, on le voyait pas. En fait, sans... je fais des couloirs un peu, tu vois, pour pouvoir sonder à différents endroits. Mais en plus c'est un bon filon même que j'ai, ça va. C'est quoi ce pseudo que j'ai vu là? Une créature ou quoi? J'ai jamais joué à Minecraft. Eh bah c'est l'occasion hein. Ouais. Sauropod, non c'est vraiment en haut. Ça va. Oh là là mais le filon mec il est pas fini hein.
Il y en a des très gros, les petits. Alors celui-là, je vais te dire, j'ai eu 48 copper, mec. Ouais, ça va. C'est un beau petit filon. Vas-y, je vais revenir du coup. Par contre, est-ce que le casque... En arrière, là, il y a le toit, ça peut s'effondrer aussi. Est-ce que le casque, il a une dura? J'ai pas l'impression. Hein. Non, ça va. Et tu disais quoi, Chanta, pardon? Le toit? Ouais, je sais plus où c'est, du coup, je me suis un peu perdu, mais il y a un endroit où je tape et paf, d'un coup, au-dessus, ça s'est effondré. Alors en fait, ce qui se passe, c'est comme ici, viens voir. Tu vois, ah, c'est bah, le flint. Le flint, si tu casses en bas, ça descend. Ouais. C'est comme sur Minecraft. C'est et le sable, le sable, c'est pareil. Tu vois? D'accord. Par contre, si c'est de la stone, il n'y a pas de truc. Tu peux casser en bas et au-dessus, ça va pas tomber. Par contre, attention, si t'as du sable en dessous de toi, donc, des fois, c'est un gros trou. Oui. Mais du coup, voilà, c'est comme ça, c'est comme Minecraft aussi. D'accord. Après, j'avoue que j'avais. Ça fait tellement longtemps moi, que j'ai pas joué à Minecraft que j'avais même oublié cette particularité. Ouais, y'a rien de ce côté là. C'est ouf, ça repop. Après, pareil, pour. Si tu veux pas te perdre, bon là ça va pour l'instant, mais plus tard, t'as un fil aussi que tu peux dérouler, apparemment, t'as un craft pour ça, pour la mine. Je peux pas de me perdre moi. Ça, non, toi ça va. Ouais, je l'ai vu, c'est dans les premiers trucs. Ça a l'air assez cool. Parce qu'après, j'arrive 4 minutes. Même dehors de jour, mon casque ça va, il est pas gênant en vrai, même si je l'oublie le casque après, ça c'est cool. Le point de repère, c'est ça là, faut pas le casser ce truc jaune. Ah, Chico. Chico. Ça a bugué, je descends de l'échelle et d'un coup ça m'a enlevé de l'échelle. Il y a 130, moi je vais en lancer 20 d'un côté et de l'autre on va lancer le reste. Ah, il y a plus de... Ah, toi. Ça, c'est bon. J'aurais dû tout lancer là. Ouais. C'est quoi? L'armure en copper. Ah ouais, toi t'as les moyens toi. Ouais, c'est Mino qui nous sponsorise. Il nous en reste du copper là? Pas trop. Si, si, il y en a. Si, dans le coffre, il y en a plus de 100. Ah, tu l'as mis dans le coffre direct? Ah oui. Vas-y, on va aller se faire des armures. Hein. On peut pas mettre. Ah oui, non, parce que oui, c'est vrai qu'il faut tout avoir sur soi dans ce jeu. J'ai tellement l'habitude de mettre dans le smithier tout direct, tu sais. Du coup, un gram. Parce que j'avoue, moi j'ai toujours l'armure de base. En gros, j'ai pas d'armure en fait. Ah moi j'ai fait que celle-là, j'avais pas fait les autres avant, j'étais aussi. Yes. Personne n'a vidé le coffre hein, de la mine encore. Ah l'épée aussi. La pierre, il y a du flint, il y a du charbon. Je m'en occupe, je vais tout prendre. J'ai plein de trucs à faire. Ah d'accord, tu mets là-dedans et... 5 stacks. Je savais pas que tu mettais les trucs là. Moi. Je pensais que tu mettais juste les échelles. Et... J'avais pas fait gaffe à ce que tu utilisais. Attends, weapon, est-ce que je pourrais pas me... Ah, c'est stylé ça. Qui a fait un técol? Ouais mais je suis encombré du coup. Bah mais non, il y a des choses à lui lécher, genre les échelles et tout, faut lui laisser. Mais s'il vous plaît. Au cas où je me fail, mais normalement je fais un escalier moi. Alors... Ouais. Attends, je vais reposer ce que je peux du pas coup, porter. La lance ça va plus être utile je pense avec ça maintenant. Et armor. Et non, je vais bloquer. En plus du coup vu que tu te mets genre là tu vois j'ai mis la lance, enfin l'épée en bas, mais du coup même les outils en copper et tout, en vrai on perd rien du coup vu que quand on meurt on garde tout dans la barre en bas. Donc tant que tu mets bien tes outils dans la barre des slots en bas là, c'est bon. Qui c'est qui a mis un truc bizarre et ésotérique de magie? T'es sûr de rien perdre quoi, ça c'est cool. L'armure j'ai pas fait gaffe si on la perdait. Par contre. Par contre il va falloir qu'on fasse d'autres coffres hein. Elle est trop efficace cette pioche. C'est level 38 le prochain storage. Attends mec, qu'est-ce que j'ai fait? Il va falloir faire du coup. Copper. Ah, j'en ai refait deux. Copper, voilà. Ah ouais, mais le casque, du coup. On va se le garder sous la main. On va garder un casque en copper, mais je vais garder l'autre aussi, quand même. Pour pouvoir miner. Et y voir de nuit. Et du coup, il va me manquer. C'était quoi? C'était du bois, je crois, pour le reste. Yes, wood et wood. Est-ce qu'on en aurait pas un petit peu déjà? Si, nickel. Voilà. On va avoir une belle petite armure nous aussi. Bon c'est bon, j'ai plus de vie là, je suis foutu. Là. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon trou jusqu'à la fin des temps. Ah, oui d'accord.
plus de vie dans D'ailleurs, le sens. Okay. Regarde dans le coffre là où je suis. le coffre à droite, Horst. J'ai chopé un drop vert. Ah, Western Ceiling Blueprint. Good floor, ok. Le dernier surtout. Privilège certificat là. Ouais, alors les privilèges certificats, j'en ai déjà trouvé aussi. Quand tu fais tes quêtes, ils t'en donnent. Mais je sais pas trop à quoi ça sert encore. Ouais. Mais je sais qu'ils t'en donnent aussi, t'inquiète. On va remettre un petit peu tout ça. Hop, hop, hop. T'as la quoi comme armure, toi? Il y a de la pierre à récupérer. Là, je suis un copper. Copper, et je switch avec ça après aussi pour y voir en haut. Coffre de la mine, il y a beaucoup de pierres à récupérer. Quelqu'un a coupé nos arbres? J'avais planté des arbres ici. Alors attention, c'est marqué dessus. Oui, oui, ils sont morts. Il faut qu'ils aient de l'eau et tout. Oh, bah démerdez-vous. Oui, c'est chiant. C'était marqué dessus. Moi qui voulais être écologique, tout mais ça. Non, mais j'ai eu le même souci que toi en fait tout à l'heure, mec. Non, mais replantez pas n'importe comment. Mettez les trucs dans un coffre et on le fera comme il faut plus tard. Ah, franchement, même de jour, je te dis, même si j'oublie la candle. Ça éclaire rien après, c'est pas gênant. Je peux la garder tout le temps. Du coup, qu'est-ce qu'il manque à faire là? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah, t'avais fermé là. À la limite, faudrait peut-être quand même faire une ouverture. Sinon, on pourra pas remonter de là. Ah, mais Mino, il est vraiment. Ah, t'as du copper, Mino? Oui, j'ai vu. J'arrive. Ça va venir. Ah, c'est drôle. Mais t'es vachement mal. Mais là, sur le côté, il y a un escalier. Un escalier. Là. Oui, bah je le vois là. T'as sauté. Oui, j'ai sauté. Mais j'ai sauté, mais en fait, je suis surtout tombé sur la bougie. Mais moi, je fais couche par couche, hein. Moi, j'ai pas fini. Hein. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je prends le copper. Du copper en amas à la base. Hein. Ouais, je m'en fous. J'avoue que faudra aller plus bas maintenant et prendre de l'iron et tout ça, je pense. Ah, le flint, c'est comme dans Minecraft, ça tombe. Oui. Merci, ça fait 10 fois qu'on le répète. Ouais, mais j'écoutais pas, j'étais pas là. Ah, ouais, j'étais pas là, ouais, mentalement. Mon cerveau n'était pas là. C'est méchant. Mais non, on a l'habitude avec toi. C'est pas. En vrai, j'ai dit ça, mais tout à l'heure, pareil, il avait dit un truc. Genre, quand il était dans son trou, j'avais tellement pas entendu qu'il avait dit. J'ai trouvé du Cooper. Mino, t'es un visiteur. Mais non, sors sur le pod là. J'aime bien Milo qui lève la tête et qui fait hein. En plus avec vraiment tu sais le personnage. Aïe, la tête vieux. Mais qu'est-ce que ça fait? Il se passe quelque chose chez nous. Oui, c'est un sauropod. Y'a quelqu'un qui l'a tapé hein. Y'a nos raptors, ils sont énervés hein. Oui bah c'est le sauropod mais en passif hein par contre. Ouais mais je sais pas pourquoi quelqu'un l'a tapé mais c'est pas une bonne idée. Mais ouais t'es sûr que quelqu'un l'a tapé? Bah maintenant c'est trop tard hein, il faut le tuer hein. Comment ça le tuer? Moi j'ai 9 flèches, ça va le faire ou... J'en craft un peu là. Non, il va tuer. Ouais. Bah il va tous nous tuer hein. Je lui fais pas de dégâts. Aïe 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 aïe. Je lui fais pas de dégâts. Je lui fais pas de dégâts. Il est en train de déglinguer les... Oh. Ah non mais il va tout casser là. Au secours. On va tous mourir. Il est en... les gars il a détruit les... Il est en train de détruire la base hein. Ah oui bah oui hein, tu m'étonnes. Mais il attaque quoi en fait? Non mais là il a arrêté, là il attaque plus hein. Là il a... Quoi? Ah, là il attaque plus hein. Je sais peut-être pourquoi il a attaqué. Il est tombé sur un feu, ça lui a fait des dégâts. Mais je sais pas parce qu'au début quand t'as dit qu'il attaquait, moi je le voyais pas attaquer. Après apparemment il a attaqué. Mais du coup après toi tu l'as attaqué donc il t'a attaqué. Du coup je t'ai aidé à l'attaquer ouais, donc il m'a attaqué. Ah moi j'ai pas attaqué moi. Ah bon? Il a tué tout le monde. Parce qu'il a tapé un moment. Au fond du trou. Quand il t'a tué, je l'avais pas. Enfin quand il te tapait, je l'avais pas encore attaqué du coup. Et quand j'ai vu qu'il t'attaquait, je me suis dit bah je vais le tenter à l'épée, mais mon épée lui faisait pas de dégâts. Je suis sur lui mais je suis bugué, j'ai un écran gris. Enfin, j'ai oui, l'épée en... c'est que t'es dans son corps, faut que tu recules. J'ai l'épée en copper et il lui fait pas de dégâts, ouais. je te dirais. Bah je veux descendre. On tape en fait. Du coup ou quoi? Non, du coup on tape pas, c'est une mauvaise idée. On fait quoi? Et bah... J'ai glissé de son corps. Mais du coup, non mais attends, qu'est-ce qu'il fait là? Oh non, il rebouge. Oh. Mais il faut reprendre tout ce qu'il y a dans les codes. Bah en fait le truc c'est que on lui fait pas de dégâts. Noctas, c'est cool avant que ça. Ah, y'a plus de lit. Ah, il a cassé les lits. Je sais pas, moi je fais du random. Y'a. Bon bah, moi je pense qu'on lui laisse la maison, on en fait une ailleurs.
Ah mais on voit que sa tête qui dépasse et tout. Non mais ça, au début, je sais pas, c'était chelou, je le voyais pas attaquer, mais après, effectivement, d'un seul coup, il s'est mis à attaquer, c'est là où il a tué Milo, donc je me suis dit, bon bah je vais attaquer aussi, je vais le tenter. Mais je confirme qu'à l'épée en copper, on ne lui fait pas de dégâts. Il fait du laser et du wood. Du coup, il nous faut l'épée, il nous faut un arc en fait, mais il est que level 3. Laser, attends. Ouais, les pteras sont assez loin, ouais. La base, elle a pris cher, ok. De toute façon, non, mais ce qu'on va faire, on va juste se faire des flèches et on va l'attaquer de loin et il ne va pas nous taper normalement si on est assez loin. Et vu qu'il a la tête qui dépasse, on va juste faire ça, les gars, c'est tout. Hein. Alors, let's go, hein. Il est sur la rampe où il y a le machin. Ah putain. On voit un peu sa tête dépasser, mais je sais pas si on peut le shooter là. Je retourne en bas. Ah. Oula. Si, ça touche. Non, mais c'est l'autre derrière qui a pris. Oh non. Tu peux faire un coffre, Ichigo ? Ah, je vais faire. Attends, j'aime pas trop. Que j'ai entendu là. Comment ça tourne dans ton truc? Mais mec, il bouge de ouf. Bah, par contre, l'autre à droite là. Il a peut-être pas trop kiffé. Hein. J'ai plus de flèche. C'est bon, il y a la porte. Non, mais je le touche pas là ou ça fait fatiguer aussi. Ah, c'est bon. Ah bah j'ai plus de flèches. En face de notre maison, de notre ancienne maison. Bah quoi en refaire, les gars. Il va nous en falloir, je pense, pour le tomber. Ouais, il va falloir que j'aille fermer alors. Mais ça marche jamais. Tu vois, c'est bestial, hein. Elle fait des 360 là, comment tu veux qu'on la tue aussi? Oh le film là, juste. Le problème c'est que si on arrête de lui faire des dégâts, en plus elle va se régène très vite. Parce que sur ce jeu, il se régène super vite les dinos. Du coup, on est obligé de lui faire des dégâts constants. Et j'ai l'impression que ça suffira pas, les gars. Y'a pas d'arbre dans le coin. Ah, on est beaucoup trop loin de tous les arbres. Flèche. Et... une flèche. Oh là là. Et le problème, c'est que les armes de corps... j'ai plus de flèches non plus. Si les armes de corps à corps ne lui font pas de dégâts. Sérieux? Oui, oui, sérieux, oui. Non, pas les lances. Les lances, ça fait des dégâts. Quand tu les lances, peut-être, mais en tapant, tu fais des dégâts à la lance? Non, mais en les lançant. Et si tu creuses du coup autour pour le faire sortir, parce que là... je vais juste faire des dégâts avec ça. Ouais, sinon ça va être la solution. Mais je pensais qu'on pouvait le tomber, tu vois, genre sur arc, un bronto level 3, on le tombe quand même avec des flèches. Ouais, enfin, il en prend quand même pas mal. Hein. Attends, on est nombreux dessus. Plus de flèche. Après, le souci, c'est que là, c'est que si t'arrêtes de lui mettre de dégâts, il régène trop vite en fait. Donc, oui, c'est le problème, ouais. Je voulais voir les dégâts de mon épée en plus, mais elle a pas l'air ouf. Hein. Je voulais la tester sur un Dunk Beetle, mais. C'est pas terrible, terrible l'épée. Hein. Ah, y'a un raptor là, je peux même pas farm. Le problème c'est que des fois je tire dessus, je vois même pas le hitmarker. Voilà. Ouais, pareil. J'ai enlevé tout le mur autour là, là vous pouvez que le toucher. Pareil, mais du coup je vais reprendre le Ptera et retourner. Ah mais River, cause pas ça, viens voir le trou que c'est. Regarde où il est. Oui mais en vrai, c'est pas bête. En vrai c'est pas bête mais... la seule solution, non mais en vrai c'est pas bête mais il faut pas y aller pendant qu'on lui tire dessus parce que du coup il va taper quoi. Il faut attendre qu'il désaggro quoi. Mais par contre, oui, on va s'amuser pour faire le truc. Hein. Je crois que ce coup-ci, genre, on va faire... y a 15 couches, un truc comme ça à descendre. Ah, j'aurais des petits mecs descendre. Non, mais à 3 couches, il doit les passer avec une seule patte, lui, donc t'as pas besoin de poser. Oui, non, mais c'est ça. De toute façon, on a pas le choix. Arrêtez de tirer dessus, on va attendre qu'il désaggro, tant pis. Voilà. Arrête de tirer plus tard. Bah, arrête. De toute façon, il a déjà régène, à mon avis. Je pense aussi, Ou alors, on aurait pu le tenter autrement, mais. À voir. Ouf. On aurait pu tenter, sinon on aurait pu tenter l'endormir en fait. Bah si, j'ai vu prendre des dégâts. C'est lui qui a tapé. On aurait pu tenter de l'endormir, sinon c'est peut-être plus rapide et du coup on pouvait le tuer plus facilement une fois qu'il est au sol, tu vois. De voir justement, on verrait les dégâts où on voit sa barre de vie quand il est au sol. Il y a un Minotaur à côté de. Cronus, il y a un Minotaur à côté de toi. Voilà. Non. Si, un Minotaur. Non, mais c'est la viande crue que je viens de manger qui risque de me tuer, moi. Fais gaffe, force. Ça c'est chiant ça. Je crois qu'il va aller dans la mine aussi. Attends, mais il dit en rigolant mais... What?
Non mais il a marché sur le... What the fuck? Il a marché sur le dos du manteau. Ouais, il a marché dessus. Ouais, je te marche dessus. Il avait tellement zéro respect. Et puis il marche sur le dos du Bronto, il continue sa route. Bon, à choisir, vaut mieux avoir le Bronto que le... Ah mais par contre, ouais, j'avoue que les coffres. On a 8 minutes pour récupérer. Par contre là, avec comment il est, c'est chiant. On a 8 minutes pour récupérer les coffres après. Et puis Bon, sinon au pire, je vais mettre des coffres, je vais prendre le terrain. Il y en a dans la nouvelle base. La nouvelle base? Ah, bah alors faut transférer ça quoi. Y'a tout dans la nouvelle base. Mortar, coffre, Donc en gros, tu nous as vraiment fait déménager quoi. Ouais, mais okay. je suis en train de le faire propre parce que en vrai, sur ce jeu, les constructions, tu peux pas associer plusieurs types dégueulasses. Du coup, j'ai trouvé du quoi. Ah, pourtant c'était. Elle est en face. Un Bronto nous fait déménager. Ah, c'est le cube là-bas. C'est pas mal ça. Et dans la mine, moi j'ai trouvé du quartz là, et puis un truc où il faut une baguette magique en bois. Du yellow amber cube, il y en a plein. De l'ambre. Ah, c'était ça le truc, c'est par contre, une baguette magique. Le Minotaur il s'excite au-dessus des. Ah bah il tape Ravens. Il est tueur. Il tape le Ptera. Mais mec, il est deuxième. Oh, on a même dévoilé ici. C'est trop bien. Il aurait pu tuer le séropode. Ouais, bah je vais essayer de le mettre dessus. C'est le deuxième Ptera que je perds quoi. On s'est fait. Oh, l'homino. Ouvrir. Je peux pas sauter moi. Ah plus de coffre. Tu veux que j'ouvre la porte? Je suis bloqué. Quoi, ils sont déjà tous full? Ouais. Ah non, pas sûr. Tiens, hop. Attends, j'ouvre la porte. Attends, parce que ça c'est à moi ça. Ah non, ça je l'ai déjà. Attends, mais y'a un truc à moi quelque part, ça. Mec, le touch on va en jeter, hein. C'est bon, de là, on a toi, des kilomètres. Le touch ça sert à rien, j'en ai tellement moi aussi. Non mais oui. Ah, tu m'as tapé! Désolé! Mino, non! Quoi? Touché le. Non. Ah non, j'ai fait une boulette. Si, si. C'est mon casque, là. Bah, il essaie de me taper, mais il n'y arrivera pas. Viseurbot, à la limite, pourquoi pas? Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Après, ça, c'est mon casque, et là, j'ai celui de Mino. Minotaur, okay. Il veut pas me Noctas. Normalement, il y a un stuffer laser entre eux, prends-le et puis jette ce que t'as un peu, ça fera de la place. Par contre, la porte c'est un cran plus haut non pour la. Ouais, sûrement. Ah, c'est stylé en tout cas, ces petites fenêtres, j'aime bien. Et j'ai vu qu'en sautant et en t'accroupissant, tu peux passer par les fenêtres. Ah, il est débugué? Sérieusement? Effectivement. Il a sorti? Oui, j'ai réussi normalement à le faire sortir. GG. C'est bon? Mais il faut pas qu'il retombe dedans quoi, parce que là il est en train d'acheter la vie. Il se faisait creuser. Je pourrais l'aggro avec mon Ptera, mais C'est risqué ça. Ah bah il est carrément dans la base maintenant. Oui. Genre 4 de hauteur, no care, c'est ça. Bon les gars, on déménage. Oh mais c'est bon, il s'en va. Allez, va-t'en. Non mais en vrai, en plus, si on déménage, il va falloir remettre toute la clôture tout autour. Non mais je suis en train de la faire, je suis en train de la faire en pierre. Je fais tout bien propre. Ah ouais, je veux vraiment qu'on parte. Bon bah. Non bah t'as gagné. T'es dans. Mec, y'a le Minotaur dans notre base. Je rejoins la mine. Sérieux, le Minotaur oui. Est dans la base par contre. Y'a le Minotaur et tout. C'est le gardien. Par contre. Ah, mais c'est les Ptera du coup qui sont morts. De la base en fait. Oui. Hein. Oui, mon Ptera qui est mort. Ah, mec, je crois qu'on a plus de terrain en fait à part le mien. Ah, si là-bas y'en a un autre, je crois qu'il a nous ça non. Ah non. Je laisse du fer là. C'est compliqué. Comment on va récupérer le stuff là-bas maintenant? Quel stuff? Il n'y a plus rien à récupérer, mec. Bah après, il y a juste la mine quand même, que c'est un peu dommage. Ah, je la garde. Mais non, ça va rester une mine à ciel ouvert. Il suffit juste de la. Allez, va-t'en. Enfin, tu la gardes. Le minot, il est en train de se faire des tours dans la maison. Il grave, se balade ça, comme il veut. J'arrive pas à l'aggro. Il est où le Bronto par contre? Ah, c'est sûr. Bronto, c'est barré. T'as le Minotaur. J'ai peur qu'il me one shot en fait. J'ai peur qu'il one shot mon Ptera. Sinon, ouais, effectivement, on a fait une ouverture pour aller dans la faille quand même. Tout était prévu. Mais,